les missiles quand ils sont arrivés. Allez. Alors attention, 1, 2, 3. Alors l'AMPEG, c'est un peu le symbole qui va représenter une classe d'âge de la jeunesse. Donc les enfants, cette année, nés en 1994, qui fêteront leurs 18 ans, se regroupent ensemble. C'est eux qui sont les jeunes qui animent l'ensemble de la fête pour toute la jeunesse du village et pour toutes les générations. Ils se regroupent autour de ce dessin, donc l'AMPEG, qu'ils ont dessiné eux-mêmes et qu'on vient d'apposer sur le mur des AMPEG Vergézois qui reflète toutes les AMPEG depuis maintenant une vingtaine d'années. Pourquoi les Ursules? Ah, ça c'est un mot entre nous. C'est qu'on traite Maman d'Ursule. Maman, je t'aime. qu'on voit quelqu'un, on le traite d'Ursule et bon, il comprendra très bien, c'est un mot de Vergès, ça vient de Vergès. Ben ouais, je viens d'avoir 18 ans cette année et ben pour moi c'est important de faire ma fête pour mes 18 ans. Enfin, avec les collègues, ils ont tous 18 ans, donc voilà, c'est très bien. Il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression, pression. Pression, 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 pression. Qu'est-ce qui s'est passé? Des soucis techniques? On vous a vu en très mauvaise posture, hein, dis donc. Ça va? Ça va, ça va. Pas mal? Non. Et le jean, c'est bon? Oui, oui, ça va. Aéré? Aéré. C'est pour faire l'aération, là. Mathias, tu viens d'où? D'Alsace. Tu en penses quoi des taureaux? Bah, c'est bien. Tu vas pas attraper, toi, les taureaux? Non, j'ai peur. Le papa en pense quoi de ces traditions taurines? Ah, moi, je trouve ça très, très bien. Très bien. Faut garder les traditions dans toutes les régions de France. Faut vivre avec les traditions, faut les garder. Vous n'avez pas de taureaux en Alsace? On n'a pas de taureaux, mais on a beaucoup de choses en Alsace. On a quand même des taureaux. On a la pluie, le froid, la neige. Les spätzle? Les spätzle, la choucroute. Je vous ai vu, vous êtes une attrapaire, vous. Oui, oui, je l'attrape, moi. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps. Oui, oui, il y a 60 ans que je l'attrape. Même lui, il court après. Bah écoutez, elle pétille un peu plus, si vous qui le dites, je suis heureux de l'entendre dire, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'affluence, donc effectivement, elle doit plaire. Alors pourquoi elle pétille? Bah, on met tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui est relatif aux traditions camarguaises, tout ce qui est relatif pour la jeunesse avec des orchestres de bon niveau, puis on essaie de faire aussi que ce soit intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a la fête foraine pour les familles, il y a donc ce pôle aux arènes et ce pôle à la place publique, ce qui fait qu'il y a de la variété, voilà. On fait un petit tour du village pour monter jusqu'au pré où le petit déjeuner nous attend, préparé par nos collègues élus et adjoints. Ça va, elle est pas mauvais. Il y a quoi à manger? Des merguez, de la saucisse et puis un peu de charcuterie. Et un petit verre de rosé.
pas beaucoup visité autour de Guil, c'est toujours le même. Santé les gars, santé. Ah, jeunesse de Vergèse. Jeunesse de Vergèse. Qui entre en piste pour nom Gazé. Il appartient à la manade Saint-Antoine. J'ai pas des chaussures adaptées à la course taurine en fait en ce moment. Ah les gars, vous avez peur? Bah, y a personne de votre équipe qui va. Faut faire du spectacle. Ça va les jeunes? Oui. J'entends pas. Les premiers jours de fête, ça a été excellent. Premier jour de fête. On a eu la première soirée au bar qui était vraiment géniale. D'ailleurs, on remercie le Café des Sports pour nous avoir donné cette aussi bonne soirée. Et hier, le groupe qu'on ne connaissait pas l'année dernière, ben, vraiment génial. Quoi. Espérons que la suite sera bonne. Là, je pense que c'est bien parti pour que ce soit bon. Quoi. Non, on fait pas bon à part, on a toujours gardé cet espace un peu réservé parce qu'on est bien à l'ombre toute la journée, c'est tout. Voilà. Mais on fait la fête quand même avec les autres, hein. Surtout le dimanche midi. La première course libre qui a eu lieu en France, lorsqu'elle a été autorisée en 1850 et quelques, eh bien, elle a eu lieu à Vergèse. Et elle a eu lieu à Vergèse avec un jour d'avance. Parce qu'on a voulu être les premiers, enfin, ils ont voulu, parce que je n'y étais pas, bien sûr, ils ont voulu être les premiers à faire cette fameuse course libre. Résident
adorent rencontrer la jeunesse. Ça leur rappelle souvent des bons souvenirs, des chansons qui remontent à la surface. C'est très important, et pour les jeunes aussi. C'est un, comme vous avez dit, un moment de partage et très important. Dans les fêtes votives, exit au rendez-vous pour vous. Vergès, ça se passe comment? Eh bien écoute, Vergès, ça fait quelques années qu'on le fait, ça se passe super bien. Je pense que ce soir il y aura une bonne ambiance si le temps est avec nous.